Ok, vous prenez sur le boudin. Le barreur sort du bateau. Vous êtes prêts? Ok. Dernier briefing avant le grand rush de l'été. Ces sauveteurs de la SNSM ont encore le droit à l'erreur durant leurs interventions simulées. Des interventions qui, à la fin de la semaine, devront être maîtrisées sur le bout des doigts. On voit en fait, en faisant les erreurs, que quand on se trompe, ça peut très vite tourner au drame. Après, si en fonction du degré de l'erreur. Et donc du coup, ça nous permet de voir si on fait pas la bonne technique, qu'on a plus de mal. Et du coup, ça nous montre vraiment que les techniques qu'on nous impose, qu'on nous apprend, sont vraiment vitales et les plus efficaces. Quoi. Ces jet skis ne seront présents que sur les côtes dites dangereuses. 15 à 20 heures de formation sont nécessaires pour qu'un sauveteur utilise ce type d'engin en intervention. Des interventions qui vont vite, mais qui doivent être maîtrisées. Faut pas confondre précipitation et rapidité. Faut toujours savoir faire les choses avec le temps qu'on doit mettre. De toute façon, quand on est bien entraîné, on sait le temps qu'on va mettre. Et faut toujours essayer de gagner un peu de temps. Tous ces jeunes se retrouveront donc cet été sur nos plages, mais pas que. Certains iront surveiller des plages du Morbihan, du Var, des Landes ou même de la Corse. Mais pour tous, ce job est un peu plus qu'un simple job d'été. C'est des jeunes qui ont sont trouvé une fibre, une vocation, une mission d'utilité publique. Comme certains choisissent les pompiers, eux sont en fin de compte les pompiers de la mer. Ils sont remis à la disposition des mairies contre rémunération. Et c'est vrai que entre faire ça, être au soleil et porter secours et assistance aux gens et faire de la mise en rayon dans les grandes surfaces, beaucoup font ce choix-là. En tout, 82 nageurs sauveteurs de la SNSM seront présents sur pratiquement la moitié de nos plages vendéennes. L'année dernière, la SNSM a secouru 223 personnes, toutes opérations confondues.